sol. Hop. Non, je vais vous montrer, je vais tout vous expliquer. Donc c'est vrai qu'en fin de compte, ce qui peut se passer le plus important là, donc les yo-yo, ça permet déjà l'aération de l'oreille. Donc c'est surtout de ce côté-là où vous allez avoir... Donc on peut avoir du liquide derrière le tympan, ce qui fait qu'en fin de compte, le son passe moins bien. Ouais, c'est ce qu'on pensait au début, ça l'a grave aidé parce qu'on voyait la différence. Bah ça remonte tout de suite en fin de compte, parce que c'est un petit bout, donc le problème c'est qu'il va pas forcément vous dire quand il est un peu enrhumé ou quand il y a quoi que ce soit. Ouais. À cet âge-là, ils sont souvent enrhumés. Donc on a souvent du liquide, donc oui, déjà une première aération. Il y a tout le temps le liquide qui coule. Après ça n'a pas l'air non plus catastrophique, donc c'est surtout les aigus. Vaut mieux le stimuler tout de suite, de façon en fait qu'il ait un cursus le plus normal possible. Oh, ouais, non, la première année en général, on va mettre déjà dans cette année dans une école spécialisée. Ouais. Là où tout le monde, la moitié des élèves ils ont des appareils, comme ça ils s'habituent aussi avec eux. Puis c'est même pas ça, même pour lui en fin de compte, dans le sens où... parce que maintenant les gens s'appareillent très très tôt. Hein. Les enfants. Ah mais lui il a pas le choix, donc il a pas le choix, c'est pour son non, bien. Non c'est pas ça, mais vis-à-vis du regard des autres, c'est que les enfants entre eux ils sont pas gentils. Oui mais aujourd'hui donc, c'est fini, parce que c'est comme des lunettes, ça veut dire il y a 30 ans ceux qui avaient des lunettes ont commencé comme ça. Non, mais non, détrompez-vous pas encore au niveau des enfants. Pourtant il y a plus de 10% de la population qui ont des appareils, enfin mais... population globale dans France, j'ai regardé un petit peu. Ouais, mais donc vaut mieux effectivement, vous voulez quitte à le laisser un an, deux ans, le temps qu'il soit bien, jusqu'au CP, hein. Et puis après vous le remettez en cursus classique, il aura pas de problème. Non mais à cet âge-là on peut rien faire. Donc il n'aura pas de soucis. Donc après, non, je m'inquiète pas pour le souci. Pour moi, le plus important, c'est qu'il ait ça. Par contre, il faut le faire. Voilà. Non, au début, ça va, on va rigoler et tout. Mais bon, après, les gens ils vont grandir et ils comprendront. Mais pour lui, ce sera comme ses lunettes. Ça veut dire que c'est quelque chose que sans ça, il ne pourra pas. Lui, il sera pareil. Il sera pareil. Donc le fait de le mettre dans une école avec les jeunes enfants qui ont le même système que lui. Non, c'est moitié-moitié, il divise. Pas... Oui, mais ça va pas être. Bah, non, il divise parce qu'en fonction des gens, au fur et à mesure, quand on peut les enlever, ils vont rebifurquer au niveau des classes. Ouais. Pour le remettre le droit chemin. Ouais. Non mais moi ça c'est pas ce qui me dérange. Pour moi le plus important c'est qu'il entende bien et que l'appareil lui tienne dans les oreilles. Fais moins fort mon chéri, fais moins fort. J'ai obligé de faire au maximum. Bah, vous voulez que je vous envoie par mail les derniers. Ouais. C'est pour qu'il entende. Oui, bah vous voulez au pire si vous avez le mail de. J'ai déjà envoyé, ils sont déjà chez elle. Alors c'est que je les ai reçus. Ok. En fait, voilà, ce qu'il y a écrit dans les résumés, parce c'est que l'oreille de gauche, c'est plus une même baisse plus importante. Et après, les deux graves, je vais dire que c'est le même. Moi, j'ai pas trop compris. Si. Non, fais-moi fort, mon chéri, c'est pas possible. Non, vous avez. Moi, j'ai rien compris. Je sais qu'on lui a fait deux tests. Un, c'était le nerf, et l'autre, c'était dans l'oreille. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que je voyais pas très bien. Non, mais bon. Ça... Ouais, j'imaginais quand les croix et les ronds, vous les voyez pas très bien. Enfin, en fait, j'avais comme c'était en noir quand ça s'est imprimé, en fait, je voyais pas trop la différence. Deux secondes, s'il te plaît. Deux secondes, je vais lui montrer. Et après, c'est bon. Ok. Bon, allez. C'est bon. Et là, on voit. Le dernier, il est là.